permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un code minier moderne en phase avec les évolutions actuelles, c'est ce que vise l'atelier ouvert ce mardi. Relatif à la relecture du code minier ivoirien, il réunit secteurs privés, sociétés civiles, institutions de financement, partenaires au développement et ministères impliqués dans la politique minière. Après près de 2 décennies de mise en œuvre, il s'avère nécessaire de moderniser et d'adapter notre législation minière pour tenir compte des évolutions technologiques, techniques, sociales, environnementales et des enjeux du développement du moment. L'atelier devrait jeter les bases d'un développement accéléré du secteur minier en Côte d'Ivoire. L'État est en effet décidé à faire du secteur minier et pétrolier, qui contribue à hauteur de 1% dans le produit intérieur brut, la deuxième mamelle de l'économie nationale après l'agriculture. Le président de la République a instruit les ministres qui ont eu en charge sa rédaction de faire en sorte que le code minier ivoirien présente les principales caractéristiques suivantes. Être compétitif par rapport aux meilleures pratiques. Contribuer à l'accroissement des investissements en permettant aux entreprises d'avoir une rentabilité adéquate de leur investissement. Permettre à l'État d'avoir des revenus adéquats en termes de contribution du secteur. Tenir compte de la nécessité de préserver l'environnement pendant et après la période d'exploitation du minerai. Contribuer à l'accroissement de l'emploi, particulièrement au niveau local. Assurer une plus grande responsabilité sociétale des entreprises, notamment au niveau des communautés. Développer progressivement une industrie de transformation. Rédigé dans un cadre consensuel, le nouveau code minier devrait assurer à la Côte d'Ivoire des revenus substantiels tout en garantissant aux opérateurs privés une rentabilité de leur exploitation et aux populations riveraines des mines des retombées en termes de développement local.